Bonjour à toutes et à tous, l'ami Segal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça super. Les copains, l'objectif du jour est de monter Monsieur M, 800 trophées, on est à 768, je suis avec le frérot Sun Bentley, un monstre du jeu. Franchement, un amour en plus super gentil, toujours disponible pour donner un petit coup de main. Il est avec son beau Mecha Gold, qu'il a monté rentre en deux les gars, 1100 TR, c'est quand même la grande classe. Donc les copains, j'espère que vous allez défoncer les pouces bleus sous la vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, si vous l'avez pas encore rentré, le petit code créateur Gaël, faites gaffe, il se reset toutes les semaines, hein, donc pensez bien à le rentrer les copains, si ça vous dérange pas en tout cas, voilà. Et n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, on n'en parle pas assez de cet abonnement à la chaîne, il faut le faire péter avec la petite cloche de notification. Je pense qu'en vrai, on peut partir sur la map, du coup, passage sombre. Franchement, la compo qu'on a, elle est pas dingue, on a longtemps hésité entre le Brawl Ball et le duo. On s'est dit qu'on allait tester le duo parce qu'on n'a pas franchement de mate connecté. Je fais la vidéo là, les gars. Il est 14h22, on est jeudi. Je vous la posterai du coup vendredi midi 15. Hein, donc je la rec un petit peu en avance. Et du coup, ben, on va voir, les gars. Ça passe ou ça casse. En vrai, j'ai déjà la chance d'être avec un monstre du jeu. Ses réseaux sociaux en description, bien sûr. Je mettrai son compte Insta. Faut lui faire exploser l'Instagram, les gars. Il y a le mien aussi en description. N'hésitez pas à aller. Si vous voulez voir des photos de tonton, voilà. Ça se passe. Ça se passe dans les liens de description. Alors, on a deux pots. Ce qui est cool avec ce spawn-là, c'est que c'est pas le meilleur spawn pour moi. Le meilleur, ça va être en bas gauche. Mais je l'aime bien parce qu'il y a peu de personnes qui rentrent dans le bush, en fait. Qui rentrent nous contester. Donc, alors, j'aime bien jouer safe, mais Sun, j'ai l'impression qu'il veut les soulever. Donc, on va quand même l'accompagner. On laisse pas le frérot tout seul. Alors, il y a un Colt, un dégât derrière. Non, c'est quoi? C'est quoi qu'on voit là? On voit un Maurice là, mais il y a un Daryl. Putain, j'ai même pas vu si c'était Spike. Ce qu'il y avait avec, en fait. Ça part dans tous les sens. Allez, allez, frérot. Allez, frérot, 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 ça respawn. Putain, pourvu que ce soit Penchelli. Ok, on s'abrite. L'autre, il a son grab, donc faut quand même le respecter un minimum. Mais vraiment le minimum du minimum, quoi. On va le respecter en lui mettant des grosses valises dans la tronche. Alors, j'ai mon usine à pingouins, les copains. Est-ce qu'on la mettrait pas? Ah ouais, je sais pas trop où la mettre. On va la mettre par là. Y a un mec ou pas là? Il n'y a personne. L'usine à pingouins posée. Oui, c'était un Colt, hein, les copains. On a eu la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que lui, on peut le sauter ou pas? Je pense que oui. Je pense qu'on le défonce, voilà. Il nous respecte pas, nous on le défonce, les gars. J'ai pas le temps. J'ai un maximum de respect pour Daryl. Parce que Daryl, c'est grave, grave pénible, en fait, ce brawler. Quand il est bien joué. Alors là, il peut traverser la manche, hein, voilà, les gars, vous avez vu. Là, il a traversé la manche, hein, c'est ça, les gars. Il a pris un espèce de bateau. On peut faire un... On peut faire un top 1, les copains. Je raconte des conneries, mais on peut faire un top 1. Promis, je suis sérieux. Promis, je me focus. Ok, les gars, on n'a pas le temps, ça fait top 1 direct. En général, la première game, elle est claquée complet. Mais on n'a pas... D'ailleurs, si je screen ça, c'est beau, en vrai, non? C'est beau, ça, le beau Mecha Gold pour la Minia. Avec le petit monsieur M, Mr. P, appelez-le comme vous voulez en tout cas. Première game concluante, les gars, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que ce concept vous plaira. En réalité, on rush les 1000. Hein. Là, j'ai dit 800, mais non, on rush les 1000. Mais on le fait en premier objectif 800. Et je pense que la prochaine sera directement les 1000. On aurait pu se faire 800, 900. Ouais, d'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'on se fait 800, 900 et 1000? Ou est-ce que vous voulez qu'on aille directement à 1000? Sachant que je me suis fixé comme objectif de monter Max et monsieur M 1000 cette saison. Voilà, pas forcément beaucoup plus. Mais en monter déjà deux, ce serait déjà pas mal, ouais, je trouve que ce serait déjà cool. Donc vous me direz en commentaire, les copains, comment on se le fait en deux fois, en trois fois, quels sont les brawlers que vous voulez qu'on monte 1000? Est-ce que vous en avez certains, sachant que il y en a beaucoup qui me disent des brawlers que j'ai déjà monté 1000, les gars. Donc là, vous me respectez pas, ouais. Vous me respectez pas ceux qui disent ça, mais je vous en veux pas, en vrai. Vous êtes pas obligé de connaître tous les brawlers, mon profil par cœur du jeu non plus, hein. Alors là, je vais juste monter, prendre les deux. C'est pas vraiment des caisses, hein, c'est des popos. Voilà, on leur met des grosses valises dans la tronche. Alors, on a le meilleur spawn, les gars, en espérant que je porte pas malheur en disant ça. Là, il y a peut-être des mecs à droite ou pas. En attendant, les caisses n'ont pas été prises, donc on va s'empresser de les prendre. J'espère juste qu'il n'y a pas un truc qui va me corps à corps. Putain, je le sens arriver gros comme une maison. Ok, ok, il y a une peau en bas. Là, on a vraiment le start idéal de ouf, les gars. J'espère juste que Sun, il va réussir à prendre la peau plus haute. Ok, je vais lui laisser la potion. Putain, on a 8, les gars, on est chaud. On est chaud. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs à droite, là? Non? 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 Apparemment, non. Sun, il a tué une... Ah, allez, Sun, ça y est. Sun, il est parti. Sun, il s'est mis en pilote automatique. Il va soulever toute la map, là. Frérot, calme-toi, calme-toi. Sun, reviens. Ah ouais, c'est bon. Ce mec, il est trop fort. Ce mec, il est trop fort.
Ce mec, il est trop short. J'aimerais juste poser mon usine à pingouins, là. Faut dès qu'on la débloque. Plus qu'un coup, et je la débloque. Waouh, 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 waouh. Putain, la map, on l'a défoncée. Enfin, c'est plus mon frère que moi, mais on a fait un petit kiff sur la fin. Ça fait tout simplement super plaisir. Votre équipe est numéro 1. On est du coup à combien? On est à 786 trophées. Moi, je dis qu'on est pas mal. Je dis qu'on est pas mal. Je dis vidéo de qualité, les copains. Je dis qu'elle mérite ses 5000 pouces bleus, cette vidéo. Elle est tournée à l'arrache totale. Voilà, je devais partir bosser. Je retarde un petit peu tout parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais leur faire comme vidéo. D'ailleurs, j'ai la vidéo, les copains, de notre ami français Equac, très gros joueur, qui a monté Monsieur M, rang 35 à 1250 trophées. Et le mec l'a monté pouvoir 9, c'est deux. Il y en a qui sont dans le futur. Et du coup, est-ce que vous voulez les gameplays ce week-end? Est-ce que vous voulez que je vous mette cette petite vidéo de fou furieux ce week-end? Moi, je pense qu'on peut se le faire quelque chose comme... Ouais, dimanche. Dimanche. En vrai, dimanche, ça passerait bien. Je pense que... Et est-ce que vous voulez un pack opening avec ma fille? Si, franchement, si vous êtes chaud, en vrai, j'ai du lourd. J'ai du lourd, vous allez kiffer. J'ai vraiment du lourd, je spoil pas. Promis, j'arrête d'en parler, j'ai envie de vous spoiler des trucs de fou, là. Mais vous allez kiffer. Vous allez normalement kiffer. Alors, il y a des trucs en bas, c'est quoi? Il y a Daryl, je sais pas quoi, là. Ouais, là, eux, on les gratte un peu. Tac, j'ai quoi? J'ai la moitié l'ulti. Sun, il est vraiment chaud. Hein. Lui, Sun, il a pas le temps. Vraiment, il peut pas rester caché. Hein. Ça lui plaît pas, ça. Il a besoin de faire la guerre à tout le monde. Bon, ça nous réussit plutôt bien. C'est vrai que moi, je suis quand même beaucoup plus safe. Hein. J'avoue, je suis un petit peu peureux dans l'âme. Et je suis vraiment, vraiment plus, plus pépère. Alors, oh là là, putain, on est à 7 pour... Ah, non, mais mec, tu peux tourner, tu peux faire ce que tu veux, t'es le patron, t'es le patron. C'est le président de la République de Brawl Stars, Sun Battle, on est d'accord, les gars, vous avez compris, hein, vous avez compris ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des mecs à gauche ou pas? C'est possible, il y a encore 4 teams, donc c'est fort probable qu'il y ait encore des mecs, là. Hein. Je vais pas trop m'aventurer, qu'il y ait pas une Shelly corps à corps qui me défonce, mais... est-ce que... Alors, Sun, du coup, il a la vision. Forcément, Sun, il répond à ma question. Je rappelle que la vidéo est en live, hein, ce n'est pas du tout un truc en différé, éclaté ou quoi. On est en live, il y a une Piper à droite. Piper Crow, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut, team? Frérot, viens, viens par là, viens, tonton, il va team avec toi, viens. On va... Oh non, oh non, oh non! Oh non, les gars, je suis dégoûté, on était trop bien. Putain, on était devant 1200 personnes en plus. Bon, on fait un rang 3 en même temps, c'est pas grave, mais j'aurais préféré. Dommage, dommage, dommage qu'on soit fait tabasser par la team duo qui arrivait là. J'ai vu la Emery arriver, vénère, j'ai dit, aïe, ça a pu un petit peu. Dommage, on avait fait un start de fou, parce que du coup, on était à 7 ou 8 pots, et j'avais l'impression qu'on pouvait faire mieux qu'un top 3. Pas vraiment éclaté, parce qu'on fait 0 en vrai. Hein. En vrai, les gars, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. C'est juste que voilà, je mets la barre tellement haute que ne pas prendre de trophée sur in-game, ça reste une déception. Mais c'est pas grave, on va enchaîner directement si le matchmaking commence pas à nous saouler. On est à 6 joueurs trouvés, 7. Allez, mon petit, 7 sur 10, vas-y, vas-y, envoie-moi directement 10 sur 10, là que ça avance, la game, 8 sur 10. Faut qu'on spawn en bas à droite. En bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah putain, on n'est pas bon là. On n'est pas bon du tout. Je vais... Ouais, j'en ai pas bon du tout. Je vais essayer de prendre des caisses avec Sun, mais en vrai, waouh, c'est pas dingo là. Alors, il faut... Alors ce qui est cool, c'est que la team de droite, elle a laissé le côté droit du coup libre. Donc normalement, on peut le prendre PPR. Ils ont pas laissé de box par contre, hein. Ah, ils ont tout pris. Mais c'est pas grave, ils nous laissent déjà leur spawn. Ça, c'est la famille, ça fait plaisir. Du coup, ça veut dire que la team qui a spawn là, elle s'est barrée. Donc, il y a quelqu'un, ça veut dire. Bon, ok, ils sont revenus, quoi. Comment ça se fait? Waouh. Putain, c'est pas ouf, ça. Oh là là, on se met bien. Bon, lui, par contre, il est venu suicider Nital, elle est un peu barjo. Alors, faudrait que je débloque mon usine à pingouins, qu'on puisse vraiment se mettre... Super bien. Il n'y a personne là. Sun, il est tout le temps, les gars. Il est tout le temps en train de... Je te jure, il peut pas rester caché. Il peut pas rester caché, le frérot. Alors, Korbak, il est avec Nita. Ouais, Nita, c'est celle qui s'est suicidée tout à l'heure. Ok. Ok, usine à pingouin débloquée. Je pense qu'on va la mettre par là. Sun, il a tué un beau. Les gars, explosez-moi le compte Insta de Sun Bentley, je rigole zéro quand je dis ça. Faites-moi honneur, le mec prend du temps pour nous, il faut lui mettre un petit commentaire gentil sous sa dernière photo. Team Gael de Toulon, Team Famille, ce que vous voulez, mais il faut qu'on lui mette un petit truc. Alors attention, attention parce que là... Ah putain. Ah non, putain, mais je joue mal. Putain, j'aurais dû m'abriter derrière ma tourelle, je suis un noob.
J'étais trop gourmand. Dès que je vois des potions, je perds mes moyens, les gars. C'est un truc de fou, ça. Je vous jure, l'autre jour, on a fait une vidéo. C'était quand j'ai monté B à 1000. Il y avait un moment donné, je jouais avec Nicolas 7. Il fait un kill. Il y a 5 popos. Et il les prend pas. Putain, j'étais fou, quoi. Le mec, il est resté focus dans son duel. Bon, en réalité, il y avait une météorite qui arrivait. Mais sur le coup, je l'avais pas vu. Et je me suis dit, pourquoi le mec ne prend pas les popos? C'est dingue. Putain, moi, je suis attiré par les potions. Quand je vois des petites énergies vertes posées par terre, mais je sais pas vous si ça vous fait le même effet. Mais les gars, je suis prêt à mourir pour les prendre. Ce qui est totalement débile, c'est vrai, mais ça me fait cet effet là les gars, donc je pense pas être le seul. Donc si la team soutient là, vous allez me dire que vous faites pareil, me laissez pas seul dans ces moments de solitude. Alors on a le pire spawn, mais on a 3 énergies, ce qui est quand même pas trop mal. On a quoi? Il y a Nita et mon frère à droite. Voilà mon petit frère, parce qu'il a moins d'énergie que moi. Mon petit frère Monsieur M. On a 5 popos. Sun, je sais pas ce qu'il a fait, on avait 3 pots, pam pam, je me retourne, on a 5. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on peut peut-être aller les fight. On peut peut-être aller les fight. Je pose l'usine à Pingouin là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On est pas mal. Hein. Je vais juste aller checker si à droite il y a du monde. Normalement, il n'y en a pas. On va quand même vérifier hein, qu'on se fasse pas back par un truc improbable, mais je pense pas. En haut, je pense qu'à personne. Sun, il est déjà en bas en train de faire la guerre, on va aller le rejoindre. En vrai, on est bien. En vrai, les gars, il nous faut un top 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Il nous faut un top 2 pour réussir les 800 TR. Et je pense qu'on est en passe de le réussir. Ok, qui reste là? Qui reste? Oh là là, oh là là. Oh là là, suicide, suicide les gars, un peu cher. Alors par contre, attention, il y a quand même un boule, corps à corps, boule, ça peut piquer. On est à quoi? On a 13 énergie, j'ai combien de PV? 9260 PV les gars, on peut le faire. Encouragez-nous, mettez un maximum de commentaires. Alors. Oh là là, c'est la balade. C'est la balade, c'est la balade. Franchement, c'est magnifique. C'est une balade, les gars. Je vais vous mettre une petite valse, une petite musique pépère et on se balade. On se balade sur le jeu en mode détente, tranquille. On est à 800 trophées, on passe le rang 26 en vidéo. C'est magnifique. Vidéo réussie, les gars. C'était du live. On aurait pu faire n'importe quoi, mais quand je suis entouré de Sun Bentley, croyez-moi que je me sens plus fort, quoi. C'est un petit peu... C'est, je sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais je vous jure, avec ce genre de joueur, les gars, j'en fais des caisses, mais non, je pense vraiment, c'est un truc de fou. Pratiquement, d'ailleurs, 30 000 victoires en 3v3. Un record de trophées à plus de 30 000. Bon, là, c'est le futur. C'est clairement le futur. Il a quand même fait une 15e place en marathon, putain. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Honnêtement, franchement, c'est beau. Il veut relancer. Est-ce que vous en voulez une dernière ou pas, les gars, sachant que si on la perd, c'est la vidéo, elle est claquée, quoi. Si on la perd, la vidéo elle est morte. On la lance, c'est la game bonus les gars. Celle-là, si on la perd, je la cut pas parce que c'est la famille. Mais si on la perd, en vrai, je peux la cut et faire style si rien passé. Mais pas de ça entre nous. Vu que je faut que je monte 1000, en vrai, c'est le starter. Voilà, c'est l'intro de la prochaine vidéo, celle qu'on va se faire là de game les gars. Et on va quand même croiser les doigts que ça se passe bien. Du coup, la vidéo, ça fait combien de temps correct? Ça fait 13 minutes. 13 minutes et quelques. Ouais, ça va, on est correct. On est correct les gars. On n'a pas trop abusé sur le temps. En vrai, ça passe. Allez, 9 sur 10, allez, vas-y, envoie le 10e, là, envoie-moi un mec éclaté, là, comme l'Anita tout à l'heure qui est venue, elle savait pas trop ce qu'elle faisait, c'était pas mal. Alors, j'ai pas envie de cut, là, le temps, là. Ok, 10 sur 10, c'est cool. Alors, du coup, putain, c'est pas un spawn de dingue, y a pas beaucoup de pots au mid. C'est peut-être la game de trop, les gars. Je sens que ça peut facilement être la game de trop. Moi, je vais essayer d'aller prendre la place en bas des mecs. Sun, désolé frérot, je te donne pas un coup de main, mais c'est pas que je veux pas. C'est juste que j'ai envie d'aller piquer la place en bas. Il y a forcément un mec en bas, les gars. Il y a forcément une Nita en bas. Sun, il s'est fait sauter. Putain, ça pue. Je vais me faire soulever. Je suis dégoûté, les gars. Putain, je savais que c'était la game de trop, qu'il fallait pas lancer, là. Putain... Je suis un boulet. Ouais, du coup, on est obligé de relancer. Ouais, putain, je peux pas m'arrêter sur une défaite. Tra, la déception d'une vie, quoi. La déception d'une vie. Je suis dégoûté, quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu. Voilà. J'aurais largement le temps de les remonter, les gars, mais c'est comme ça. J'aime pas perdre. On faisait une session extraordinaire. Il suffit qu'on en joue juste une en mode décontracte et on se fait péter la tronche. Et moi, j'étais en bas, mais j'avais une position d'attente qui était pas ouf du tout parce que, bah, du coup, ouais, non, je me suis fait 2v1. La Piper, on l'a soulevé. En plus, c'est dommage. Hein. Il y aurait eu que la Piper, mais avec des si, on referait le monde. Mais il y aurait eu que la Piper, on s'en serait sorti. Mais la Piper plus Nita, c'était compliqué. Allez, vas-y, j'arrête les bêtises, promis.
Je me focus là. Là, je me focus. J'arrête vraiment. Alors, on a les spawns le plus éclatés, hein, forcément, les gars. Je vise comme une, comme un as. Alors, on a la peau là. On va essayer de prendre celle-là. On est quand même pas bien, bien de ouf là. Waouh, j'ai un lag là. J'ai eu un micro lag. Je sais pas si vous l'avez vu, les copains, mais c'était pas bonnard. Ok, Sun, il a fait un kill, ça. Sun, là, il est vénère. La défaite avant, l'a un petit peu vexé. Il a tué une Penny. Il y a quoi, là? Shelly, qu'est-ce qu'elle veut, là? Ouais, mais mets-toi derrière le muret, ma belle. Mets-toi derrière le muret, tu vas voir ton temps. Il va te mettre des bonnes grosses valises. Ok, Sun Bentley est décédé. Je pense que c'est Carlito qui l'a soulevé, qui danse pas trop. Danse pas trop, fais pas trop le foufou, frérot. Parce que sinon, on va te faire des trucs bizarres après. Alors... Ah ouais, il a fait le malin, les gars, on lui a pas promis qu'on allait lui faire des trucs de fou. Déjà on chasse, déjà on lui montre que fallait pas s'en prendre au frérot. Fallait pas s'en prendre au frérot, les gars. Allez, ça c'est bon, il est mort. Ah, il manque de respect à la famille, les gars, ça passe pas, ça. Top 2, les gars, top 2, faut qu'on refranchisse les 800 trophées, en vrai je pense que c'est bon. Oh. Ah ouais, par contre c'est chaud ça. Alors... Ça sent pas bon. Hein. Ah, les gars, putain, dommage, j'aurais kiffé que Sunny revienne, là. Là, il aurait fallu qu'il respawn avec une Shelly, là, corps à corps, pam, pam, pam. Il les aurait défoncés. Ça vous a plu, le pam, 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 ou pas, les gars? En tout cas, voilà, c'était la vidéo dans son, voilà, un petit bonus raté, mais du coup, on finira 800 trophées tout pile. J'espère que ça vous aura fait plaisir. C'était la vidéo du vendredi, du coup. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous à tous. Merci beaucoup de l'avoir suivi, les copains. C'était vraiment fun. Et cette saison, j'ai quand même envie de rusher. J'ai le frérot David K qui m'a motivé comme jamais. Donc là, on va quand même taper un truc comme... Ouais, 24 000, ce serait bien. 24 000, 25 000, un truc comme ça. Ce serait quand même pas mal. Et moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et n'oubliez pas, bien sûr, les gars, le code Créateur Gaël, bien sûr. N'oubliez pas de le rentrer. À très bientôt. Ciao, ciao.